Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter. Alors, c'est pas vraiment un jeu. Ce sont en fait des cartes postales. Donc, j'avais vu l'autre jour, par hasard, je suis tombée sur des boîtes comme ça, donc de cartes postales. Donc il y a 100 cartes postales. Il en existe de plein de sortes. Il y a Disney, beaucoup. Il y a beaucoup Disney, les vilains de Disney. Bon, je sais plus, là, Hollywood, sur les films, enfin bref. Et donc moi j'ai choisi de prendre un coffret de cartes postales, donc des parcs nationaux américains. Donc, ça se présente comme ça. Donc, un hommage à la beauté unique de nos pays, enfin, je sais pas comment ça peut se traduire, pays public ou parc public, je sais pas trop. Donc, 100 cartes postales avec, par contre, 37 duplicata, en fait, j'avais pas fait attention. C'est des doubles. Il y a 37 cartes qui sont en double. Donc ça de 2021. Et ça coûte, je crois, à peu près 24 euros. Donc je vais pas vous présenter les 24 cartes, bien sûr. Oui, les 24, les 100 cartes. Je dis n'importe quoi. Mais c'était, voilà, juste une alternative au jeu, je trouve que ça peut être très sympa. Donc en fait, moi, c'est bon, je suis pas spécialement branché Disney, donc les vilains, j'ai hésité un peu, les vilains de Disney. Et après, en fait, quand j'ai vu les cartes postales de plus nature, ben en fait, j'ai préféré. Alors attendez, je vais en prendre déjà un petit tas. Et en plus, ben, je regrette pas parce que les voilà, c'est des peintures et c'est assez sympa. Donc c'est vraiment des cartes postales, hein. Donc derrière, vous avez ben, en fait à chaque fois ce que c'est. Et puis une petite phrase. Donc c'est pas mal. Donc voilà, je vais vous passer quelques-unes. Donc Canyon Noir. Bon, alors après, bien sûr, hein, moi je suis jamais allée aux États-Unis et là je connais pas du tout. Mais il y en a qui sont vraiment chouettes. Celle-ci, par exemple, elle est super sympa. Hop, attendez, je vais pousser ça là. Donc je les ai reçues quand? Je les ai reçues samedi, donc comme je travaillais là. Samedi, dimanche, lundi, j'ai pas trop eu le temps d'y regarder. J'ai regardé vraiment vite fait dimanche soir. Et là, je voulais quand même vous montrer parce qu'en fait, bah, voyez celle-ci. Voilà, celle-ci, elle est en double. Donc au pire, les doubles, je vais peut-être m'en servir carrément de carte postale. Celle-ci, je la trouve super chouette. Donc ça, c'est une grotte. Voilà, donc qui aime celle-ci, bah, très jolie aussi. Donc voilà, il y a un petit peu d'animaux, principalement des paysages. Celle-ci, elle est à base de bleu. Moi, j'aime beaucoup les cartes donc de peinture, celle-ci aussi, de peinture et de paysage. Et en fin de compte, eh ben, ces cartes postales peuvent tout à fait faire une alternative aux oracles, hein, tout simplement. Alors, il y a la petite bordure blanche, mais comme c'est vraiment très grand, si on veut, on peut s'amuser, entre guillemets, à la couper. Donc bon, là je ne ferai peut-être pas parce que ça va demander quand même un travail fastidieux. Mais voilà, donc ça, le parc Tortuga, les Everglades, le loup. Donc il y a vraiment des peintures qui sont super chouettes. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Celle-ci, j'aime beaucoup. Et ben, je me suis dit comme ça me fera ben, comme un petit oracle. Donc les glaciers, un petit oracle sur la nature. Les bisons.
Alors après, bon, voilà, celle-ci aussi, vous voyez, elle est en double. Et sur le coup, quand j'ai vu qu'il y en avait en double, j'ai dit, bah mince, c'est une erreur. Et puis, vous voyez, en fait, on lit jamais assez bien les petites lignes. Et en fait, non, il y avait en effet marqué 37 duplicata. Donc, je les mettrai de côté. Puis, bah, des fois, je sais pas si j'ai... Ça accompagner un petit cadeau ou quoi, bah, on met une petite carte. Ça peut servir aussi de marque-page. Oui, je vais peut-être m'en garder aussi pour des marque-pages. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut trouver. Et donc après, bah ouais, on peut voilà lire ce qui concerne le paysage. Après, en plus, oui, vous voyez, je n'avais pas fait attention. Donc ça vous dit le parc national, la peinture bah, par qui elle est faite, et puis une petite phrase sur le lieu. Celle-ci est super jolie. Donc il y a des rochers, des arbres, des pierres, des animaux. Alors celle-ci, elle est super jolie aussi, hein, une espèce de rose pâle. Bon, là, je suis sous la lumière. C'est pas sous une lumière naturelle, donc. Mais celle-ci, elle est très sympa. Il y a quand même des animaux aussi, donc. Parc du Séquoia. Parc de Théodore Roosevelt. Les îles Vierges. C'est là qu'on se dit qu'aux États-Unis, il y a vraiment des paysages très très diversifiés. Puis vous voyez, après, ça peut aussi. Je suis pas de mettre ça, bah, hop, je vais voir un peu ce que c'est exactement comme parc. Voilà, ça peut être. Bon, alors celle-ci, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Bon, de toute façon, il y en a 37 qui sont doubles. Faudra que je les trie. Je les mettrai de côté, les 37. Hop, celle-ci aussi, on l'a vue. Bon, mais en fait, je vais tout vous montrer, je crois. Celle-ci aussi, je crois qu'on l'a vue. Celle-ci, je sais plus. Jolie aussi, celle-ci, avec les oiseaux dans l'arbre. Le renard. Celle-ci, on l'a vue aussi. Bon, je crois que la fin, c'était les doublons, en fait. Bah, je vais peut-être pas trop les mélanger, puis je vais les prélever tout de suite. Donc voilà. Donc ça, c'était sur les parcs nationaux, donc américains. Et du coup, je m'en suis commandé deux en même temps, hein, tant qu'à faire. Alors là, rien à voir. Ça, c'est sur Game of Thrones. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est pop culture. Et puis, du coup, bah, Game of Thrones, c'est quand même une série. Alors que j'ai regardé sur le tard, mais que j'ai adoré. Alors, hop. Donc là, vous voyez la boîte aimantée. Mais en plus, elle est très jolie, cette boîte. Puis alors après, bah, vous pouvez en fait voilà, le mettre comme ça, comme un livre, en fait. Hein, ou alors, bah, après coucher, si on n'a pas trop trop de place. Ça, je l'ai recollé, par contre, parce que c'était décollé ici. Donc je l'ai recollé. Et donc là, alors par contre, là, bah, faut connaître la série. Je vais pas tout vous montrer cette fois, c'est sûr. Mais donc là, hop, format, pareil, carte postale. Et là, non, tout droit réservé, copyright 2019. Non, bah là, c'est pas marqué par contre les personnages. Voilà. Daenerys, c'est le roi, ça c'est. Jon Snow, ça c'est la femme du roi. Bon, après les prénoms, je me rappelle plus trop, mais voilà. Ça, alors là, je les ai pas encore regardé les cartes là. Hein, celle-ci, j'avais regardé, je crois, les 5-6 premières, et là, encore, voilà, vous voyez, je découvre parce que j'ai pas regardé. Faut que je... Mais donc voilà, dans le même style. Donc là, vous avez 100 cartes de Game of Thrones. Il y a la même chose sur Harry Potter, j'ai vu aussi. Bon, après, je vais peut-être pas me prendre 100 cartes d'Harry Potter parce que j'aime bien, mais je suis pas non plus, je veux dire, ma fille est plus fan que moi d'Harry Potter, par exemple.
Moi, j'ai déjà deux jeux de tarot. Bon, ça me suffit. En plus, prendre 100 cartes postales, non quoi. Et après, il y a, voilà, des Disney. Donc, je trouve que c'est sympa parce que pour 20, je sais plus exactement, 24 ou 26 euros, ben, en fait, vous avez 100 cartes postales. Et là, à la différence de l'autre, celle de Game of Thrones, il n'y a pas de duplicata. Donc, c'est vraiment. Voilà, il n'y a pas de doublon dans celui-ci. Donc, moi qui aime bien la pop culture, et ben, hop, je mélange ça et puis je tire. Après, voilà, moi je connais un petit peu les personnages quand même de la série. Ben, hop, je tire une carte et puis voilà, par exemple, là, le roi, c'est quelqu'un de fidèle, de courageux. Voilà. Donc, voilà, présentation des cartes postales. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.